Bonjour, peuple du chemin du ciel. Je suis la sœur Sanro Karidja de l'Italie. Je viens rendre mon témoignage, vous faire part de ce que le Dieu de Papa Florian a fait dans ma vie. Puissance, feu. Puissance, feu. Puissance, feu. J'ai fait un examen de tumeur d'utérus. Et le résultat était positif. Le résultat était positif. Et dans mes prières, j'ai confié au Dieu de Papa Florian. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, je sais que tu peux me guérir. Je ne vais pas aller à l'hôpital. Et un jour, dans mon songe, j'ai fait un songe où je saignais et j'ai utilisé le sang de Jésus et ça a coupé le saignement. Et quand ça a coupé le saignement, je dis, ah oh, Dieu de Papa Florian veut me dire par là que c'est lui qui peut me guérir. Et quand mon résultat était venu, ils avaient dit dans le résultat que un an après, ils allaient m'appeler pour aller faire d'autres examens. J'ai dit, ok. Et un an après, effectivement, la lettre du rendez-vous est venue. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai commencé encore mon traitement avant d'aller au rendez-vous. J'ai commencé le purge, j'ai commencé à me purger, et j'ai fait le bain. Le bain, le septième jour, tombait sur le jour du rendez-vous. Et j'ai attendu le jour du rendez-vous, j'ai pris un lait. Et quand j'ai pris un lait matin avant d'aller à l'hôpital, j'ai fait mon examen, je suis revenue à la maison. Le soir, j'ai fait mon bain. Quand j'ai fait mon bain, dans la nuit, dans mon sommeil, j'avais mal au bas-ventre encore. J'avais très, 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 très mal. Et je me suis accroupie. Il y a du foie qui est sorti en moi. Du foie. Comme du foie de bœuf. Et après, ça s'est transformé en caillou. Et après, ça s'est transformé en demi-talon des dames, demi-talon de femmes. Et dans ma tête, dans mon esprit, c'est comme si c'est une voix qui me disait que le Dieu de Papa Florian m'a guéri du cancer de l'utérus que j'avais. Qui m'a guéri et que c'était une proche de mon mari qui était à la base, qui est à la base. Et qu'elle a fait cela, elle m'a lancé un sort pour ne pas que j'aie des enfants avec sa, avec son proche, avec son parent, celui avec qui je suis. Et pour ne pas que je reste avec lui aussi. Et elle m'a lancé ce sort. Que mais, le Dieu du Papa Florian m'a guéri. Ça, c'était dans mon songe. Je me suis réveillée matin. J'ai prié. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, tu ne montres rien en vain. Si tu m'as montré ce songe, je le crois. Et j'ai foi que j'ai eu ma guérison. J'ai foi que tu m'as guéri. Et j'ai commencé à lui dire merci. J'ai commencé à le remercier maintenant chaque jour, avant que les résultats ne viennent. J'ai commencé à lui dire merci chaque matin, chaque jour, chaque instant. J'ai commencé à lui dire merci. Dieu de Papa Florian, merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Mais j'ai bu les trois laits quand même. Les autres jours, j'ai bu les trois laits, les deux autres laits, parce que c'est un seul lait que j'avais pris. Et j'ai commencé à remercier Dieu de Papa Florian. J'ai commencé à lui dire merci, 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 merci. Je vous assure que le résultat est venu. Le résultat qui est venu est négatif. Le résultat est venu négatif. Négatif. Quand le résultat est venu, je suis allée prier d'abord sur le résultat. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, tu m'as montré en songe que tu m'as guéri.
Tu m'as montré en songe que tu m'as guéri. Et j'ai foi que tu l'as fait. Voilà le résultat qui est venu. Je te le confie. Je te le confie. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Négatif. Négatif. Vraiment, c'est pour vous dire, mes frères, mes soeurs, ceux qui ne croient pas encore au Dieu de Papa Florian, croyez. Croyez, parce que ce Dieu-là, et c'est lui seul qui a le pouvoir. C'est lui seul qui rend l'impossible possible.